Coucou tout le monde, aujourd'hui ce sera un unboxing. Donc j'ai encore trouvé des diamants painting à action, donc voilà. Donc le dernier, donc un petit 30 par 40, donc c'est le pan. Donc voilà, je vous montre tout maintenant et on les ouvrira après. Et j'ai trouvé deux dans la nouvelle collection, donc elles sont hyper grandes les boîtes, donc là c'est la petite. Donc on voit la grandeur. Hein. Donc j'ai trouvé deux grandes. Donc c'est 40 par 60. Donc j'ai trouvé le modèle la orange et les roses. Voilà. Donc on va commencer par le plus petit. Donc par celui-là. Donc, ça se présente toujours pareil. Voilà. Commencez. Donc c'est hyper joli. Donc il y a des gros diamants en plus. Donc c'est cool, on va voir ça. Donc on a... la photo. Et les couleurs qu'on a besoin. Voilà. Donc la photo du DP. Voilà. Et les diamants. Donc je vais vous montrer les diamants spéciaux. Donc on a des gros comme ça, violets, des gros aussi bleus et des gros comme ça. Apparemment c'est pour l'œil. Donc on en a deux. Et ça c'est pour les gros trucs c'est là. Et après c'est des diverses de verres. Je vous montre pas trop. Hein. Je vous montre comme ça. Voilà, des diverses verres, bleu, orange, gris. Donc il y a toujours le DMC, le symbole, et après là je sais pas ce que c'est la dernière chiffre, donc je peux pas vous dire. Donc voilà les couleurs, et toujours un tout petit avec un stylet, une barquette et des pains de colle. Donc voilà pour celui-là. En plus, la toile, elle brille. Les symboles sont hyper bien imprimés. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais hyper bien imprimés. Donc voilà pour celui-là. Donc ça sera la sixième de ma collection. Pour les petits, il me manque que le lion que j'aimerais bien avoir. Les autres, j'aime pas trop. Donc c'est le lion que j'aimerais bien avoir dans les petits. Donc là j'en ai 6 petits, donc il m'en manque le lion pour faire le 7ème, donc voilà. Après on va faire les fleurs. Et dans les grands, il me manque...
Il me manque 3, je crois. Que j'aimerais bien avoir. Donc c'est toujours des ronds, hein. Il n'y a pas encore des carrés. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il y a des carrés. Parce que tout le monde dit que c'est des bonnes qualités et tout, donc je vais essayer. Hein. On va faire ça, voilà. Donc voilà la toile. Donc elle est hyper grande. Hein. Elle est immense, mais elle est hyper belle. Je l'ai mis à l'envers, je crois. Ah non. Donc voilà la toile. Ça colle hyper bien. Donc, toujours la toile et les couleurs. Et voilà le toolkit déjà. Donc, un stylet, une parquette verte, deux pannes colle. Et voilà les diamants. Ils sont hyper jolis. Par contre, j'ai pas les DMC. J'ai pas les DMC. Et que les symboles dessus. Bah tant pis, hein. C'est pas grave. Je les garderai quand même, hein, les diamants au cas où. Donc voilà les couleurs. Donc, très belle couleur. Voilà pour les fleurs. Alors, je ne sais pas où je vais le mettre. On va enlever ça d'ici. On va le mettre là. Et alors, celui-là, c'est le mandala. Donc je le remets pas dans les pochettes plastiques parce que moi ça me saoule. Donc je préfère avoir déjà tout prêt comme ça dans la boîte. Comme ça je le prends et je peux le commencer tout de suite. Que avec la poche, bah, il faut enlever la poche tout ça, et c'est un peu chiant quoi. Pour moi après... C'est vraiment bien de faire ça, hein, de ranger dans des choses en plastique, mais bon, moi voilà, quoi, moi je suis comme ça, donc voilà. Donc voilà le mandala. Il est magnifique. Donc il y a des trucs spéciaux là aussi. Beaucoup quand même. Il y a beaucoup de spéciaux là. Ah. Le toolkit, toujours. Et apparemment, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spéciaux. Quand même. On va aller voir ça. On va ouvrir pour voir. Non, ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Mais je vais le regarder quand même. Ouais, je suis curieuse. Désolée pour vous. Alors, il y a les petites gouttelettes bleues, deux blanches. Des ronds dorés comme ça, des plus gros comme ça et ça. Oh là, le E,
J'en ai que un imposé et j'en ai 20 la tonne. Ok. C'est cool. Il m'en manque. Alors pour cette couleur-là, ce truc-là, il m'en faut que un apparemment. Et j'en ai une dizaine. 11 exactement. Donc, par contre, ça va être hyper compliqué à finir ça. Par contre, je sais pas comment on met les petites gougouttes là. C'est quoi comme B? Où on met ça? Ah, ok, d'accord, ici. Alors, je sais pas comment ça se met. Alors, je pense que on va commencer à faire un plus petit pour avec les spéciaux parce que moi, je sais pas faire. C'est mon. Le premier. C'est la première fois que j'ai des spéciaux, que vous voyez. Pardon, j'ai. Donc en gros, c'est la première fois que je fais des spéciaux comme ça, que je les prends. Parce que j'ai toujours fait carré, rond, carré, rond. Déjà, j'ai commencé à prendre des toiles avec du AB. J'ai 3 toiles, 4 toiles du AB. Chez le vendeur Hippo Home Store. Et là, pour les spéciaux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Avec du spéciaux. Donc je sais pas comment c'est, je sais pas comment on les pose, je sais pas du tout. Donc on va faire ça, peut-être on va commencer à faire une petite toile, je pense le lapin ou un des mandalas, pour voir comment ça se commence. Et après je vous dirai comment mon ressenti que j'ai, savoir si c'est facile, compliqué ou autre, parce qu'il y en a qui savent pas, qui sont casse-pieds, c'est les diamants. En forme de goutte, apparemment ils sont casse-pieds à la mettre. Je sais pas du tout, je peux pas dire quelque chose. Donc on va faire ça. J'en ai un autre là. J'en ai un autre. Donc voilà, donc je sais pas du tout comment ça sera. Et voilà quoi. Par contre, vu comme le prix que c'est, je vais vous dire le prix. Je range et je vous dis tout de suite. Oh. J'ai pas eu pour cher pour les trois que j'ai là. Deux gros et un petit. Pour les trois, donc le pan, les fleurs et celui-là, j'en ai eu pour 15,27€. Donc le plus grand, donc les 40-60, il coûte 5,49€. Donc ça va pour la taille. Et les petits, donc comme ça, là, c'est le pan, il coûte 3,29€. Donc ça va quoi. 3,29€. Oui, 3,29€. Donc, c'est quand même raisonnable. Il m'en manque 4. Donc, les 4 autres, si je les trouve en même temps, ça me fait 20 balles. À peu près. Avec des antibes. Donc, j'essaye, je vais bien réussir à les trouver. Hein. À trouver les. Je sais pas où je vais le mettre celui-là. Je sais pas où. Mais bon, je vais le trouver. Hein, mais. Un petit peu, voilà. Attention, je vais bouger. Voilà, donc ça c'est le paquet. Hein. Désolé hein, si ça fait un peu sur la caméra. Donc voilà. Donc là pour l'instant, il m'en manque 4 encore que je veux avoir parce que les autres, je suis pas trop animal, animal sauvage, si, mais. Avec les images qu'ils ont mis, j'aime pas trop.
Parce que j'en ai un hein, des lions et des tigres. Mais c'est vrai que eux, je sais pas. Même les paysages, j'aime pas trop. Pardon. J'aime pas trop. Parce que je suis pas trop au paysage. Je suis plus cascade, phare et tout ça. Que une ville et tout ça. Donc voilà. Et donc apparemment, il m'en reste 4 à avoir. Donc le lion en plus petit, en 30 par 40. Il y a un papillon que j'aimerais bien avoir en grand. Et des oiseaux. Je sais plus c'est quoi le quatrième. Mais il y en a un autre quatrième que j'aimerais bien avoir aussi. Donc voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne journée ou bonne soirée selon où vous regardez ma vidéo. Bisous!